J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième weekly vlog. Alors comme d'habitude on est vendredi et je commence officiellement le vlog que maintenant. Tout simplement parce que ces derniers jours ma vie ressemblait à ça. T'es très belle, je te jure. Ok, j'augmente la puce. Et voilà une coiffure réussie. Attends, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Enlève tes mains, enlève tes mains. Ah, j'aime pas du tout la sensation. Je crois que t'as pas de cheveux à moi. Non, est-ce que ça va? Lolo, je pensais pas que... Attends, je pensais que ça prendrait tout et en fait ça a juste pris une petite mèche. T'as quelqu'un? Non mais merde. Tu fais quoi là? Un brushing? Ah ouais. Tu veux jouer? Ouais ouais je veux bien, ça m'intéresse. Donc voilà, autant vous dire que c'était pas passionnant à filmer, mais j'ai aussi vu Slimane pour la sortie de son album Solune qui est sorti le 26 janvier. Donc ouais, si tu passes par là, je te fais des bisous. Il regarde pas mes vidéos, mais c'est juste pour montrer que je le connais pour me la péter. Oui. Chloé est officiellement en vacances là pour une ou deux semaines, c'est pas encore sûr. Pas vrai Chloé? Ouais. Ouais. Donc du coup moi je suis trop contente parce que je vais plus être toute seule pendant mes journées et du coup elle va m'accompagner et du coup on va faire plus de trucs et du coup il y aura du contenu pour le vlog et donc c'est super. You 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 you. You 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 you. You. Donc voilà, après je vous parlerai un peu d'un truc qui s'est passé récemment, enfin genre un truc, non pas du tout, le truc qui se passe dans ma tête plutôt. On en parle après, hein, c'est mieux. Pomme de terre isolée, pomme de terre isolée, ça y est, pomme de terre. Du ketchup, du ketchup, du ketchup, du ketchup. C'est caché, c'est caché. Regardez, c'est des petites mamies qui sont jumelles et qui se sont habillées pareil. Oh, c'est trop mignon. Oh là là. C'est la tournée des colis, la tournée des points relais de tout le quartier. Tout le quartier, tout le quartier, quartier, quartier. Donc là, il a dit... Non. Y'a quelqu'un? Ah. Oh copain. Meilleur copain. Oh. Oh on ne clap. Aime-moi. Ah non, oulala. Une chaise en pénis. Vraiment la plus belle œuvre de ce musée. Hein. Waouh! Y'a pas photo. C'est bien fait! Y'a ma mère qui arrive. Ça. Chloé, va en prendre un. Vas-y. Allez, allez. Vas-y.
Je suis toujours aux chutes du Niagara, donc là où je vous parle, et non, non c'est faux, on est à la Fondation Louis Vuitton. Oula, ça m'aveugle aujourd'hui. C'est dimanche et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de ce dont je voulais vous parler. Du coup, je le fais rapidement avant de terminer le vlog. Finalement, j'ai pas énormément filmé ce week-end. Enfin, quand même, j'ai filmé un peu, mais pas énormément parce qu'il y avait ma maman et donc du coup, je sais pas trop filmé. Voilà, mais j'ai passé un très bon week-end. Merci maman si tu vois ça. Je sais que tu vas voir ça dans le train. Donc pour ceux et celles qui ont suivi sur les réseaux sociaux la semaine dernière, j'ai eu quelques doutes quant au fait que j'avais décidé de publier 2 vidéos par semaine. Pour le vlog du dimanche, ça va rester, mais en fait la vidéo de la semaine, j'avais un peu l'impression de devoir me dépêcher et du coup bah presque de bâcler un peu la miniature et tout. Enfin j'étais pas complètement satisfaite, et même si j'ai décidé de faire le stage pour ma propre chaîne, j'ai envie de publier plus, mais j'ai pas non plus envie de bâcler mon travail. Donc du coup j'avais une petite remise en question, j'étais un peu déprimée. Du coup pour l'instant j'ai décidé finalement de rester à 2 vidéos par semaine, avec le dimanche obligatoirement et une vidéo dans la semaine, mais pas forcément le mardi, une vidéo dans la semaine quand elle sera prête. Donc ça sera sûrement le jeudi ou peut-être avant, mais voilà. Et si j'ai pas de vidéo prête, bah il y aura qu'une vidéo par semaine, et voilà, je pense que vous en remettrez très bien. Mais voilà, je veux juste pas que ça devienne vraiment une obligation, dans le sens où j'y prenne même plus de plaisir et où ça me stresse trop. Et voilà, et j'ai bien vu qu'il y avait eu certains commentaires où on me disait que c'était un peu bâclé, ou que c'était décevant pour quelqu'un qui fait son stage pour sa propre personne, et je comprends, mais voilà, sachez que de toute façon j'ai encore plein de progrès à faire et donc ça peut que s'améliorer. Mais donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires constructifs ou autres, parce que là je prends tout ce qui peut me faire progresser. Si vous avez des idées de vidéos, des collaborations, tout ça, je prends. En tout cas, sachez que je fais pas du tout ça pour l'argent ou autre. Si je fais 2 vidéos par semaine, c'est parce que j'avais envie vraiment de développer ma chaîne, qu'on soit de plus en plus nombreux et tout. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.